Quand le Brésil s'offre en spectacle, ça déménage. Pour Hiram Custodio, brésilien à Paris depuis 15 ans, pas question de rater l'occasion de faire connaître sa dévorante passion. Mais on va essayer de faire un petit peu la capoeira avec quelques amis. On va décontracter dans cette barre. Cette barre qui fait, pour moi, c'est le bar qui est le plus proche du Brésil. On va essayer de s'amuser, jouer le birimbau, le pandeiro, chanter quelques chansons. J'espère que ça va vous plaire. C'est muito très fort, ça c'est un bien. Muito bom, muito bom. Tatiana e Sandrinha. Muito bom, capoeirista. Não perde emprego. É. E aí, Andrade, beleza? Lelelelelelelele, ô, c'est pas rir, mon amour. C'est les filles maintenant. Écrivain, danseur, musicien, chanteur, Hiram Custodio est un personnage multiple à l'image de son pays natal. Oui. Brasil! À la fois un rituel, un art martial, une danse, un style musical, la capoeira représente à elle seule toute l'âme du Brésil. Pour trouver les origines de cette lutte ancestrale, il faut remonter au XVIe siècle et aux racines du peuple brésilien. À la base, c'est un art. Tous les esclaves, ils ont emporté d'Angola au Brésil. Alors les esclaves, quand ils sont arrivés au Brésil, bien sûr, ils en ont fait une lutte de rébellion contre l'esclavage, l'oppression. Et en fait, dans les chaudes cantons, ils s'entraînaient à des luttes et tout, des coups de pied et tout ça. Et quand les maîtres ils arrivaient, ils se mettaient à faire de la danse, des acrobaties, des roues pour camoufler. Mais c'est vraiment une lutte. Loin de la patrie, c'est vrai qu'il faut se soutenir, quoi. Faut serrer les poudres et tout ça, parce que c'est vrai que c'est loin. Quoi. Bon, et nous on va partir au festival d'Alençon. Alors je prépare mes instruments. Je prépare le birimbau. Mais le birimbau, c'est l'arc qui commande la ronde de capoeira. Et en fait, partout où je vais, j'amène mon birimbau et on essaye toujours de faire un peu de son. Un peu la musique, la percussion. Alors ça c'est un atabac. Bien usé mon atabac, hein. Ce tabac là, je l'ai acheté en 86. Depuis 86, il parcourt la route de France, d'Europe. Il a déjà été en Irlande, il y a plusieurs pays. Bon. La Lituane et tout ça. Alors le atabac, c'est l'instrument sourde de la capoeira. C'est avec lui qu'on fait la marcation. Il y a beaucoup de différentes marcations. Il y a des gens qui marquent différemment, hein, avec des rythmes plus africains, d'autres avec des rythmes plus de la religion brésilienne. Bon, moi, c'est comme ça. Et après, il y a des petites variations qui agrémente, qui fait le rythme être plus joli. Atabac. Ici, je vous présente le pandeiro. Au début, le pandeiro, il n'y avait pas les sambales. Les sambales sont les petites cloches qui sont à côté. Avec la samba, les écoles de samba ont mis la sambale pour pouvoir faire le contratant avec la peau. Bon, je crois que c'est mieux qu'on parte à Alençon pour le festival parce que c'est l'heure.